Book of Luke, chapter 6. Livre de Luc, chapitre 6. Chapter 6, verse 31. Verset 31. Are you there? Est-ce que vous y êtes? Luke, chapter 6, verse 1. Read it together with me. Do to others as you like them to do to. Luc chapitre 6, verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. It is the what you read. It is what governs the earth. Ce que vous venez de lire, c'est ce qui gouverne la terre. And that is the purpose of the gospel. Et voilà le but de l'évangile. Amen. Amen. Take a look at somebody. Look at somebody. Regarde quelqu'un à côté de toi. Say never. Dis voisin. If I treat you well. Si je te traite bien. And you treat me well. Et que tu me traites aussi bien. What is the result? Quel sera le résultat? Let me hear the result. Quel sera le résultat? If the earth can fall under this scripture, wow. Si la terre peut obéir ce passage, ce sera merveilleux. What is the result? Ask somebody. What is the result? Quel sera le résultat? So somebody has the result. Bring a mic here. I would like this service to mostly be interactive. The result is simply love. Love. Le résultat sera l'amour. There will be love, but what is really the result? There will be love and peace. There will be love and peace. Amour et paix. The environment will be lovely. Il y aura l'amour dans l'environnement. Because if the things you not like human being to do for you, you cannot do it to others. Parce que les choses que vous ne voulez pas que les autres vous fassent, vous n'allez pas faire cela aux autres. This scripture is very powerful. Cette écriture est très puissante. You don't want someone to steal your money, to insult you, to slap you, to do anything to you, but don't do it to another person. Que si tu te fasses du mal, ne fais pas cela à une autre personne. What does somebody hear? Est-ce que vous m'entendez? You don't want somebody to be greedy to you. Don't be greedy towards the person. Vous ne voudrez pas que les gens soient égoïstes envers vous. Allez, ne soyez pas égoïstes envers les autres. You don't like somebody to see danger and allow you go into the danger. Don't also allow another person to go to that danger. Vous ne voulez pas que quelqu'un vous laisse tomber dans le danger. Alors ne laissez pas que les autres entrent dans ce danger. Treat others as you want yourself to be treated. Traitez les autres comme vous voudrez que les autres vous traitent. Wow, what a wonderful universe if everybody is doing like that. Quel univers merveilleux si tout le monde se comportait de cette façon. It is now human being, human being. Ce sera maintenant être humain entre être humain. Do you know who stands to represent nations? Est-ce que vous savez qui représente les nations? Do you know who stands to represent continents? Est-ce que vous savez qui représente les continents? It's human being. Ce sont les êtres humains. Hey, don't you know it? Est-ce que vous ne le savez pas? If Cameroon supposed to participate in a continental event in Africa, si le Cameroun va se représenter à un événement continental en Afrique, is it this ground that will move and represent Cameroun? Est-ce que c'est la terre du Cameroun qui va se déplacer pour aller représenter? Who will do that? Qui le fera? Human being. I cannot hear you. Who is moving to represent Cameroon? Qui va se déplacer pour aller représenter le Cameroun? They are never human being. Dis à ton voisin, c'est un être humain. They are never again human being. Les êtres humains. It's human being. Les êtres humains. Imagine if Cameroon imagine would do to Nigeria, do to Chad, do to Gabon, do to Congo, what they want all these other countries to do for them. Ce qu'ils aimeraient que tous ces autres pays fassent pour lui. Let me ask you a question. Who will represent Africa? Qui va représenter l'Afrique? Hein? Who will represent
represent Europe. Imagine if Europeans would do to Africa what they want Africans to do for them. Imagine Africa do to Europe what they want Europe to do for them. This world will be fixed and fine. Aimerait que l'Afrique fasse pour elle. Et vice versa, ce monde serait un endroit confortable. That is why you will see that the world will only be fixed by people that come from Jesus Christ. C'est pour cela qu'on est là. Que le monde ne sera qu'arrangé par les gens qui viennent de Jésus Christ. Because we have the best teachings. Parce que nous avons les meilleurs enseignements. This is what our God is teaching us. Voilà ce que notre Dieu nous enseigne. But that is not what their own God is teaching them. Mais ce n'est pas ce que leur Dieu à eux les enseigne. Are you hearing now? Our own God is teaching us that we should treat another next person with love and care. Notre Dieu nous enseigne de traiter les autres avec amour. We should do to others what we want others to do for us. Que nous devons faire aux autres ce qu'on veut qu'ils fassent pour nous. Can you? Would you want somebody to cheat you? Est-ce que tu voudrais que quelqu'un t'escroque? Hein? Est-ce que vous allez accepter qu'une autre personne vous escroque? Voilà. Vous détestez donc l'escroquerie, c'est pas ça? Voilà. Vous n'allez pas aimer qu'une autre personne vous escroque. Donc, il ne faut pas escroquer quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Est-ce que vous allez aimer qu'on vous vole? Attendez, vous avez vu un volant là? Un volant qui a été volé? Hein? Un volant qui a été volé? Bon, il devient. Amen. Un voleur n'aime pas quand il vole. Parce qu'il connaît le vol. Il connaît. Mais ce n'est pas un bon produit. Ce n'est pas un bon produit, non? Would you want somebody to steal you? Est-ce que tu voudrais que quelqu'un te vole? Just send in your hand to take somebody's thing and put in your pocket. You have reduced that person. Quand tu prends la chose de quelqu'un et que tu embauches cela, tu as réduit cette personne. Would you want that person to also reduce you? Mais est-ce que tu veux que cette personne aussi te réduise à ce niveau? If the world could have this teaching in their system, there's no need for police. There's no need for military. There is no need for God. There's no need for all this rubbish. On ne parlerait pas de police, on ne parlerait pas de guerre, on ne parlerait pas d'armes. Yes. Even to put a door, you don't have a need to put a door in your house. Même pour mettre la porte de chez vous, ce sera plus utile. Why? Pourquoi? The next person knows that it is not good to enter into the house of another one and steal or kill somebody. Parce que le voisin saura que ce n'est pas une bonne chose d'entrer dans la maison de quelqu'un et voler ou tuer quelqu'un. Let's begin it. Commençons à faire cela. Let the church begin it. Que l'église commence à faire cela. In your homes. Chez vous. Your business places. À vos lieux d'affaires. Different areas. Begin it this year. Dans les différents domaines de from vous. From today, begin it. À partir de vous, commencez cela. Point your hand. Point it like this. Do unto others. Faire que le droit dit, faire aux autres. What others want, what you want others to do for you. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi. Listen. Écoutez. I want to take you to another room this year. Je veux vous amener dans un autre règne cette année. When you begin to do like that, quand vous commencez à faire comme ce que j'ai dit, put it in prayer. Mettez cela dans la prière. Say, Lord, dites Seigneur, I have been sowing seeds of goodness. J'ai semé le bien. Yes, a wrong seed. Et je ne peux pas avoir semé le mal. What we sow is what we do. Le Seigneur dit que ce qu'on sème, c'est ce qu'on va récolter. My seeds. Dis Seigneur, ma semence. When you see a seed of stealing, I didn't know. Quand tu vois la semence, I don't know what to do it to others. Tu dis non, Seigneur, je ne peux pas faire ce que je veux. Je rejette cette semence. I reject. Je la rejette. Oh, God. I reject that seed. Marcher avec Dieu. Je rejette cette semence. Something happened to this, but how you? I reject the seed. Je rejette cette semence. I don't know where this seed is coming from. My God said, the seed I. Je ne sais pas d'où vient cette semence. I should have what I
Mon Dieu a dit que ce que je sais, c'est ce que je vais moissonner. Pourquoi est-ce que je vais moissonner ce que je vais moissonner? Marcher avec Dieu, travailler avec lui. The thing coming to you is coming from where? You are a stranger. I don't know you. Ce qui vient à vous, d'où est-ce que ça vient? Tu es étranger. I don't know you. Je ne te connais pas. This is spiritual. C'est spirituel. You are not being mad. You are just being spiritual. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes seulement. You know, and the word of God is reality. Governing the whole cities of the earth. Vous savez que la parole de Dieu est true. Et veillez, yes. Tiens la pierre parce qu'elle est vraie. Lord, you say, if I sow a seed on this earth, que si je sème une semence sur cette terre, I will harvest it. Je vais la moissonner. I have been sowing yam. J'ai eu à planter. I've been planting yam. J'ai eu à planter yam. Where is maize coming from in my farm? Où est-ce que le maïs vient dans mon champ? Turn again. Look at your neighbor. Say neighbor. Retourne-toi, regarde ton voisin. Neighbor. Voisin. Do you understand it? Est-ce que tu comprends cela? Begin this year. Commence cette année. By sowing good seeds. En plantant des bonnes semences. When I say good seed, you know what I mean? Good seed means what? Good comportment. Des bonnes semences. Bon comportement. Everything you are doing is a seed. Une bonne attitude. Tout ce que vous faites est une semence. Everything you do is a seed. Tout ce que vous faites est une semence. Your action is a seed. Votre action est une semence. I have been doing good. Doing this, doing that. Then why I should harvest goodness? J'ai l'habitude de faire le bien. Anything turning my goodness to bad things. Let fire destroy them. Et le feu les détruise. Anything turning my good work to bad work. Let fire consume them. C'est écrit. Do unto others what you are expecting from them to do for you. So as I'm doing it, my expectation is on the contrary. I'm not just over here. Les attentes ne sont pas contraires. I am stand up. Levez-vous. No, I'm talking to these two people. Come follow here. See, okay. It's not about it. Take. It's a phone. And when I'm giving a phone, my expectation is what? Phone. Et quand je vous donne le téléphone, non, mais qu'est-ce que vous avez le téléphone? Ne faites pas d'erreur là-dessus. Phone or any good thing should be given to me. Téléphone ou une autre chose qui est bien doit me devenir. I take care of your child. I don't know you, but as I see your child in danger, I rush. I don't know you. Why am I doing that? Father, anywhere my child is, let somebody, let this seed manifest. Somebody should just get there and save my own child. Je le fais parce que Seigneur, partout mon enfant va se trouver. Et qu'il sera dans le danger de quelqu'un le sauve, que quelqu'un prenne soin de lui, comme je l'ai aussi fait. Yes. Oui. Unto others what you want others to do for. Faites aux autres personnes ce que vous voudrez qu'elles fassent pour vous. There are people today, what you are suffering is the seed. Is it? Vous souffrez aujourd'hui. You will be delivered. I say you will be delivered. After this message, après you will be delivered. Vous serez délivré. There are people suffering seed that will be sold. You have been sowing seed, but you are praying wrong. You are praying, but the seeds are still there. Those seeds, we need to uproot them today. Kill that lamb. Let that seed not grow again. Aujourd'hui, vous allez chier ces semences. Qu'elle le grandisse plus, qu'elle puisse plus pousser. Things you did far back, the tree is still there. Growing. When you go. You don't harvest the fruit. You go. You don't harvest the fruit. Continue to have to apply. Because that tree. That tree, that tree, that tree, that tree, yes, that tree, that tree has not been cut out. Cet arbre n'a pas jamais été coupé. That tree has not been cut out. Cet arbre n'a pas encore été coupé. It is still there growing. Il est encore là, il pousse. And you committed that error because of ignorance. Et tu as commis cette erreur dans l'ignorance. The law of nature, according to how the earth is configured, must be taking place. Selon que la terre est configurée, that what you do, tu vas récolter. Que tout ce que tu sèmes, tu dois récolter.
Even while people know that one. Même les mondains savent cela. They know it. Thank you, Father. Dis Père merci. Oui, say thank you, Father. Balance lui tes mains, dis Père merci. Thank you, Yahweh. Merci, Yahweh. Some people stole just one time like that sometime. Il y a des gens qui ont volé une seule fois. Since that time, they have been stealing in your life. Et depuis ce moment, you have been losing and losing. Dans votre vie. Losing and losing. Losing and losing. Rest up, rest up, rest up. Levez-vous. Father, have mercy. Père, aie pitié. Father, have mercy. Seigneur, aie pitié. Any wrong seed of all. That I have ever planted. Que j'ai eu planté. And it is working in my life. Et qui s'attend dans ma vie. Let your power of repentance. Que ta puissance de repentance. I'm repenting now. Quand je me repens maintenant. Of fruit that very seed.
We are moving somewhere. Nous allons quelque part. Look at it. Regardez cela. If you see somebody's husband yesterday, that's how they are working on your own today. Si hier tu as volé le mari de ton c'est comme cela qu'on vole aussi ton mari aujourd'hui. If you pass the time taking things from people, taking, they will also take from you. Si tu passes le temps à prendre les choses des gens, c'est comme cela qu'on vole les choses. Hating people. Si tu passes le temps à haïr les gens. Hating them. Tu détestes les gens. Will follow you. La haine va te suivre. Hating will follow you. La haine va te suivre. No matter how you strive, that seed must come. Peu importe comment tu te bats, ce qui s'en va venir. It must come. Elle va venir. I want you to take some time. Because I don't want you to start this year differently. Parce que je veux que tu commences vraiment cette année avec une différence. Almighty God, have mercy on me. Dieu te puisse. Get to meditate on the seeds. Les mauvaises semences que j'ai semées. I don't pray because you just want to pray. No, you pray because you desire to repent and take a new life. Do unto others what you want others to do for you. That is the new life now. Repent. God will take away those sins because the power of repentance God will remove them from you. Parce que tu veux avoir une nouvelle vie. Father, I have sown wrong seeds. Ce pouvoir de mauvaise semence dans ta vie. Tu dis, Mighty King, I know I have sown wrong seeds. Je sais que j'ai planté de mauvaises semences. Almighty God, Dieu nous dit ça. Forgive me and take away these seeds from me. Pardonne-moi et enlève ces mauvaises semences. No justification, don't justify. Ne te justifie pas. Yes, I don't know where you went wrong or what you did, but just know that there are some seeds working. Savoir ce que tu as fait et comment est-ce que ça marche contre toi. Mais il faut savoir qu'il y a des mauvaises semences qui sont en train de marcher. Puis que cela soit déraciné. You lie on women, you lie on people, lie on people. They will do it on your children. If you don't repent, you did that. So repent. Let every seed be uprooted. Because I will not want somebody to lie my own child. Because you lied yesterday. No, I will not want it to happen to my own. I don't want this person to do this. I don't want this. So repent and from today. C'est celle de vous qui avez menti à des femmes dans les relations que vous avez eues dans votre vie. Priez pour que ça n'arrive pas aussi à vos enfants dans l'avenir. Father, let no seed cross me. Père, let no seed come again to my life. Open your mouth. Dans ma vie, aucune semence ne se tient sur mon chemin. Every seed that was in my life. Qui était dans ma vie. Please, it's serious. Take on prayer. Prayer, continue. C'est sérieux, s'il vous plaît. Priez. Kill that seed, Lord. Tell the seed, God. Die of my territory. Et cette semence meurt dans mon territoire. Because I want to begin a new life. Parce que je veux commencer une nouvelle vie. 2020. 2020. I want to begin a new life. Begin a new life. Père, je veux commencer une nouvelle vie. Of somebody.
forgive my sins, Lord. Uproot those seeds in my life. Take them away, Father. I want to start planting new and fertile, good, glorious seeds now. Thank you, Father. Lift up your hand. Take it away from me.